Alors, ce disque Charpentier a plusieurs centres d'intérêt, trois styles de musique très différents de Marc-Antoine Charpentier, la sonate à 8, le symphonie pour arpoisoir qui est de la musique religieuse de plein air, mais l'essentiel du disque, la partie la plus originale, c'est l'enregistrement des Noëls pour les instruments, musique qui a déjà été jouée plusieurs fois, enregistrée, mais qui n'a jamais finalement été jouée exactement dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec un grand orgue de tribune. Et on s'est rendu compte effectivement que la partition de Charpentier indique à un endroit très clair l'utilisation par exemple du jeu de cornet de l'orgue, ce qui veut dire qu'on est sur un grand orgue de tribune et non pas sur un orgue positif. Et donc, quand on regarde bien la partition, ce n'est pas non plus de la musique de chambre avec deux flûtes, deux violons en alto et continuo, mais bien de la musique d'orchestre, exactement écrite dans le style de la musique d'orchestre française, avec les violons divisés en deux lorsqu'il y a des trios. Alors, c'est très très important de faire cela avec un ensemble orchestral, et puis de trouver une tribune d'orgue avec un grand orgue de style français qui pouvait accompagner, accueillir tout l'ensemble instrumental. Alors on a trouvé la solution de rêve avec l'orgue de la basilique de Tongres, qui est un orgue de style français, d'un facteur installé dans la principauté de Liège au XVIIIe, qui est le Picard, et cet orgue a été restauré tout récemment, il y a quelques années maintenant, par l'atelier Thomas de Saint-Francorchamps, qui nous accueille d'ailleurs aujourd'hui pour faire cette présentation du disque en face d'un autre buffet d'orgue en cours de restauration d'une autre église dans la région de Liège. C'est vraiment l'intérêt d'entendre cet orchestre avec le grand orgue. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans l'acoustique de Tongres, qui n'est pas trop réverbérante, le mélange entre les cordes, les deux flûtes et l'orgue se fait absolument naturellement, même en utilisant dans l'orgue une registration malgré tout assez sonore, parce que souvent on utilise pour ça un petit positif, donc ça ne gêne personne. Ici, l'orgue, en quelque sorte, gêne peut-être les musiciens, mais les force aussi à jouer très très différemment que s'ils jouaient avec un petit orgue positif. Et l'organiste a pu ainsi utiliser toutes les palettes sonores de l'instrument, tout ce qui est disponible pour le jeu de la basse continue. C'est vraiment, je pense, dans l'enregistrement, une grande nouveauté d'entendre ce répertoire dans ces conditions historiques absolument indiscutable. Et pour tous les musiciens, c'était vraiment un choc de devoir jouer aussi dans ces conditions, en devant construire pour les cordes et pour les flûtes un son qui a assez de soutenu, de puissance pour jouer avec le son également, c'est plein de l'orgue. Je pense que ce sera des grands disques Richard Carr de la fin d'année.